conducteurs de moto, je ne parle pas de conducteurs de moto taxi seulement, d'avoir leur permis, il faut décliner d'abord quel permis. Est-ce que c'est le permis A? Est-ce que c'est le permis A? Et puis, compte tenu de la précarité et compte tenu des difficultés d'existence de nos populations, nous demandons que ce permis-là, la formation soit prise en charge par l'État et que les examens soient gratuits. Il suffit pour cela de limiter dans le temps ce permis-là, dire que bon, pendant un an, pendant 18 mois, un recensement de toutes les motos, tous les motocyclistes, et que voilà, les points seront subventionnés, pas de mettre en place un système de formation parallèle. Il faut utiliser les structures qui existent, c'est-à-dire les écoles, les auto-écoles, que les gens puissent aller prendre leur cours auprès des auto-écoles et qu'il y ait une subvention de l'État pour aider les auditeurs de moto. Et pour les 5000 francs, le fait de vous passer cet examen, que cela soit utile, gratuit. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas de la mer à boire, si l'objectif est effectivement de sauver les vies humaines parce que la vie n'a pas de valeur.